Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir fidèles auditeurs et bienvenue dans le magazine Humura Burundi de ce 17 septembre 2019. Aujourd'hui, la commission d'enquête sur le Burundi a présenté son rapport final à la 42e session du Conseil de l'ONU des droits de l'homme. Nous avons une envoyée spéciale à Genève, vous allez l'entendre dans quelques instants. Dans cette édition, nous allons également parler du contrôle routier effectué par les Imbonerakure sous l'œil complice de la police. Ça se passe dans la province Gitega et ce sont des motards qui sont ciblés. Et à Nyanzalak, les conducteurs de mototaxi crient au détour de leur cotisation. Vous allez également le suivre dans cette édition, vous présentée par Emile Niwasumba, ingénieur Egide Mwemero et Lucie Kavira assure la mise en onde. Les détails, c'est dans quelques instants. Je vous le disais tantôt, la commission d'enquête sur le Burundi a présenté son rapport final de l'année 2018-2019 devant le Conseil de l'ONU des droits de l'homme. La catégorisation des crimes commis et les structures étatiques qui doivent rendre des comptes sont entre autres les points sur lesquels la commission a insisté. Notre consoeur Josiane Muzaneza a joint notre envoyé spécial à Genève, Inès Gakiza, pour en savoir plus. Inès Gakiza, la commission d'enquête sur le Burundi vient de présenter son dernier rapport, son troisième et dernier rapport. Comment est-ce que cette commission a présenté la situation des droits de l'homme au Burundi? Oui, merci Josiane Muzaneza. Comme vous le dites, la commission vient de clôturer sa troisième année d'enquête sur la situation des droits de l'homme au Burundi et elle a parlé de persistance des violations des droits de l'homme. Et compte tenu des enquêtes que la commission a menées, il a parlé de quatre catégories de crimes commis au Burundi portés à sa connaissance depuis mai 2018. C'est entre autres les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, les arrestations et détentions arbitraires, les tortures, ainsi que les viols des femmes. Et comme cible, la commission a parlé, bien sûr, des opposants ou supposés opposants. Et ici, elle a tenu à souligner l'évolution au niveau du profil des victimes, parlant des opposants avec une conception plus large de ceux qui sont considérés comme opposants, c'est-à-dire toute personne qui ne montre pas son soutien au CNDD-FDD, au parti au pouvoir, au gouvernement, mais aussi au président Pierre Nkurunziza. Les autres victimes se recrutent parmi les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes, mais aussi des rapatriés, et jusqu'à ce que certains ont même décidé de reprendre leur chemin d'exil. Oui, Inès, la commission d'enquête sur le Burundi n'en est pas à son premier rapport. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce troisième et dernier rapport par rapport aux autres rapports produits avant? Est-ce qu'ils ont finalement pu révéler les noms des auteurs? Non, ils n'ont pas révélé publiquement les noms des présumés auteurs, mais la commission a souligné qu'elle a déjà élaboré une liste et cette liste est entre les mains des organes habilités, dont des organes judiciaires, mais qu'elle reste secrète pour question de présomption d'innocence. Mais elle a juste parlé que ces présumés auteurs sont
membres, entre autres, de la Ligue du Parti au pouvoir, les Ibonelakoune, sont membres du corps de sécurité, du corps de défense, mais également de la police présidentielle, le Service national de renseignement. Et ici, comme selon la Constitution de 2018, le Service national de renseignement dépend uniquement et directement de la présidence. La commission a alors souligné que le président Pierre Nkurunziza pourrait avoir une responsabilité pénale sur les agissements du membre de cette police présidentielle, le Service national de renseignement. Oui, Inès, une dernière question. La commission est à son donc présente son dernier rapport. Est-ce que dans cette session, ils ont parlé de renouveler le mandat de la commission? Que va être la suite, surtout que avec toutes ces violations, on s'achemine vers les élections de 2020? Oui. Les membres, les commissaires ont eux-mêmes demandé le renouvellement de leur mandat pour pouvoir continuer à suivre de près et aider à prévenir contre les violations des droits de l'homme, surtout que le Burundi entre prochainement dans le processus électoral. Alors, comme vous le savez, les délégations des pays, des représentants des organisations de défense des droits de l'homme réagissent après présentation et recommandation de la commission. Et je dirais que presque la majorité, presque tous les intervenants, c'est-à-dire la grande majorité, étaient pour le renouvellement du mandat de cette commission. Quelques pays ont montré leur soutien au régime burundais, mais le gros ont demandé que la commission ait un autre mandat. Et ici, avant de terminer, je soulignerai que c'est avant la session, cette session en cours, la 42e session, que le Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies se prononcera sur cette demande de renouvellement. La troisième fois du mandat de la commission. Et cette session se clôturera le 27 de ce mois de septembre, donc vendredi de la semaine prochaine. Donc, au plus tard vendredi de la semaine prochaine, la commission saura que son mandat a été renouvelé ou pas. Oui, Inès Gakidza, merci beaucoup et continuez à suivre pour nous ce qui se passe là-bas à Genève, en Suisse. Merci à vous, Josiane Montaneta. Voilà, et c'est Josiane Muzaneza qui s'entretenait avec notre envoyé spécial à Genève, Inès Gakiza, il y a quelques minutes. À propos justement de cette commission et l'appel à la prévention des violations des droits de l'homme pour Doudou Diène, président de la dite commission, la communauté internationale ne peut pas continuer à se limiter seulement au monitoring et enquête sur les crimes en cours au Burundi. C'est ainsi qu'une feuille de route a été mise en place par cette commission afin d'aider dans ce travail de prévention. Je vous propose d'écouter Doudou Diène. Et c'est là que nous avons innové et identifié 8 facteurs de risque qui permettent à la communauté internationale de suivre la situation et littéralement, en veillant attentivement sur chaque facteur de risque, de prévenir la violation des droits de l'homme. Le premier facteur de risque, c'est un environnement marqué par l'insécurité et une instabilité sociopolitique. Le deuxième facteur de risque, c'est des structures étatiques faibles, notamment le système judiciaire. Parce qu'on sait que dans toutes les crises de violation des droits de l'homme dans tous les pays, ce qui les fait perdurer, c'est l'impunité, c'est-à-dire la question de la justice. Et troisième facteur de risque, un climat d'impunité générale pour les violations graves des droits de l'homme, récentes et passées. Quatrième facteur de risque, c'est l'existence d'intentions et de motifs de recourir à la violence, notamment la volonté du parti CNDD-FDD de se maintenir au pouvoir, y compris en instrumentalisant à des fins politiques des griefs et des cas d'impunité issus du passé. Là, nous ciblons, nous disons le parti politique dominant, qui est un des responsables des violations. Le cinquième facteur de risque, c'est la capacité des différents acteurs à recourir à la violence et à commettre des violations. Ceux qui le font disposent de moyens, la capacité des armes, des instruments de violence, d'où les prennent-ils, etc. Le sixième facteur de risque, c'est l'absence de facteurs atténuants tels qu'une société civile nationale solide, organisée,
et représentative et des médias nationaux libres, diversifiés et indépendants. Alors le septième facteur de risque, c'est des circonstances et un climat propice aux atrocités criminelles, y compris l'instrumentalisation de l'identité à des fins politiques. Donc la notion d'identité nationale, nous disons à la communauté nationale, c'est une circonstance extrêmement importante et qui est propice. Et enfin, le huitième facteur de risque, c'est l'existence de facteurs déclencheurs, notamment la tenue des élections. C'est-à-dire que tous les facteurs que nous avons intégrés sont là, mais il faut un contexte politique ou autre pour qu'ils se déclenchent. Ils produisent tous les effets. Et donc, ce huitième facteur, il est central. Et nous disons à la communauté internationale, nous sommes dans ce huitième facteur pour la préparation des élections 2020 et il peut déclencher tous ces autres facteurs de risque. Donc là, je crois que nous avons donné à la communauté internationale, au peuple burundais, à la société civile, aux partis politiques, à tout le monde, une feuille de route extrêmement précise et des outils pour suivre au jour le jour l'évolution de la situation au Burundi. Ce qui veut dire aussi que le pouvoir sait que ces facteurs-là vont être des points sur lesquels l'attention et la vigilance vont se faire. Voilà, c'est Doudou Diagne, le président de la commission onusienne d'enquête sur le Burundi. Gitega n'a pas tardé à réagir pour décrier ce troisième rapport. Tabu Renova, qui a représenté le gouvernement dans cette session, a accusé cette commission d'avoir violé son mandat en procédant à cette nouvelle étape. Il en a profité pour demander le non-renouvellement de son mandat. Nos commissaires vont jusqu'à dénaturer le mandat leur assigné en décidant de faire l'identification des facteurs de risque conformément au principe d'alerte précoce et de prévention du génocide, des facteurs qui seraient liés aux élections prochaines de 2020. Il y a lieu de mener ici une triple analyse. D'abord, le mandat de cette commission s'inscrit dans un cadre typiquement pénal et donc d'interprétation stricte, ce qui exclut toute tentative d'interprétation large. Ensuite, la compétence matérielle de la commission repose sur des faits concrets censés avoir été commis et non sur des schémas apocalyptiques, fussent-ils en rapport avec les élections de 2020. Enfin, envisager des facteurs de risque sous l'angle de crimes de génocide ou de tout autre crime apparenté est un vieux slogan qui déshonore et révèle une réelle fiction d'un Burundi qui va droit vers une dérive sanglante dans l'ignorance totale de la réalité du pays. Devant cette illusion pathétique de vouloir corrompre la conscience de l'humanité, instrumentaliser les coulisses des Nations Unies et ses mécanismes par le mensonge, la diffamation, le harcèlement diplomatique, la négation de l'autorité gouvernementale et la présentation des clichés apocalyptiques, le Burundi voudrait informer que son peuple reste debout, vigilant et déterminé à organiser les élections de 2020 sur ses propres fronts, dans un climat de quiétude. Le rapport conclut qu'au Burundi, il y a persistance de violations graves des droits de l'homme et que la situation doit être suivie avec la plus grande vigilance par la communauté internationale. Cette irréaliste conclusion est hélas contredite par plusieurs acteurs internationaux avisés qui connaissent bien et visitent le Burundi. En témoignent les dernières conclusions de Mme Bintou Keïta, secrétaire générale adjointe des Nations Unies pour l'Afrique, après sa visite d'une semaine au Burundi début septembre 2019. Existe-t-il alors deux familles à vision différente des Nations Unies? Monsieur le Président, la délégation du Burundi profite enfin de cette occasion pour demander au Conseil de constater que les trois mandats successifs de cette commission ont été une peine perdue et une ruine financière pour lui et qu'il est judicieux d'y mettre fin. Voilà, Tabu Renova, c'est le représentant permanent du Burundi auprès des Nations Unies à Genève. Sans transition, parlons de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui a sorti aujourd'hui les listes provisoires des commissions électorales provinciales indépendantes. Au sein du parti Frodebou, l'inquiétude plane. Le président de ce parti indique que son parti a été écarté. Pierre Claver Naïmana est le président du parti Frodebou. Lorsque ce travail a commencé, ce processus a commencé, la CENI a tenu une réunion à l'intention de président des partis politiques, des responsables administratifs. C'était une grande réunion qui a été tenue ici à Bujumbura et on nous a expliqué comment ça allait se passer. Et on nous a demandé les documents nécessaires, nous les avons donnés. Alors nous nous attendions à ce stade qu'effectivement il y ait une évaluation que la CENI tienne encore une réunion de ce genre ici à Bujumbura pour que la CENI explique cette fois-ci comment ça s'est passé et qu'elle présente officiellement ces listes qui sont issues de ce processus. Mais manifestement, la CENI n'a pas procédé de cette façon. C'est surprenant, bien entendu. Nous demandera à ce que la CENI continue à procéder de la même façon. Qu'elle tienne une réunion en bonne et due forme, qu'elle nous invite les partis politiques et toutes les
les organisations qu'elle avait invitées pour nous présenter le résultat de ce travail. Sinon, nous avons déjà vu sur les listes que nous avons déjà consultées, nous constatons qu'il y a une exclusion presque complète du Parti Sonia Frodebout sur ces listes-là. Nous sommes très étonnés. Espérons, comme ils le disent, que c'est provisoire, qu'ils vont corriger tout cela et qu'ils vont nous présenter des résultats qui soient conformes à ce que nous sommes convenus qu'il n'y aura pas d'exclusion. Donc nous avons proposé, bien entendu, des membres dans toutes les fédérations, des candidats dans toutes les provinces, comme demandé, bien entendu. Mais après ce que nous sommes en train de voir, sur une dizaine de listes que nous avons déjà vues, sur les réseaux sociaux, bien entendu, il n'y a qu'un seul membre du Frodebout que j'ai reconnu. Donc vous comprenez que c'est de l'exclusion pure et simple. Pierre Claver Nahimana, c'est le président du parti Frodebout. Poursuivons cette page politique. Le président du parti Radebout, Jean-Didier Mutabazi, n'aurait pas demandé que les autres pays emboîtent le pas à la Tanzanie pour refouler les réfugiés burundais, étant donné qu'il a été lui-même réfugié en Tanzanie. Réaction de Tassien Sibomana, porte-parole de la coalition Amizero ya Barundi. Tant que la crise et cause principale de l'exil des Burundais persiste dans le pays, les pays qui ont accueilli les réfugiés burundais doivent respecter les conventions internationales relatives aux réfugiés. Suivez plutôt Tassien Sibomana. Pour moi, ce n'est pas une surprise que Mutabazi suive les pas du parti au pouvoir. Rien d'étonnant, ce n'est pas la première fois. Donc pour moi, ce n'est que du déjà entendu, ce n'est que du déjà vu. Deuxième aspect de mon intervention, c'est regrettable pour quelqu'un qui est réfugié. Quand il a été réfugié, le pays hôte n'a jamais voulu le forcer à rentrer. Pourquoi le demanderait-il pour que les autres soient ainsi? Troisième aspect de mon intervention, c'est que quand même, soit il le fait de mauvaise foi, soit il le fait par ignorance, ce qui peut être le cas par ailleurs. Enfin, je pense que même s'il demande à ces pays de les renvoyer comme voudrait le faire la Tanzanie, ce n'est pas Mutabazi qui va forcer les pays respectueux des conventions internationales de les violer. Si la Tanzanie décide de les violer, je ne pense pas que les autres pays lui emboîteront le pas. Je demande à ce pays, et je fais même un clin d'œil à la Tanzanie, pour que tous ces pays respectent la convention portant statut des réfugiés, qui est claire en la matière, car ils ne peuvent pas faire refouler des réfugiés qu'ils ont accueillis aussi longtemps que ces derniers ne le veulent pas. Tassien Sibomana, porte-parole de la coalition Amizero ya Barundi, a été joint au téléphone par notre consoeur Nadege Irakoze. Au Burundi, comme partout dans le monde, vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Ijwi ry'Abanyagihugu. Tout de suite, nous abordons la page gouvernance. Humura Burundi. À Gitega, les Imbonerakure procèdent au contrôle routier des motos sous l'œil complice des policiers. Les motos appréhendées sont conduites au commissariat de police pour un éventuel pot de vin. Le point avec Innocent Valentin Singirangawa. Ce mardi matin, les jeunes Imbonerakure accompagnés de policiers ont effectué le contrôle des motos dans la ville de Gitega. Les Imbonerakure procèdent à l'arrestation des motos sous l'œil complice des policiers. Ce motard de Gitega précise que l'opération de ce mardi était supervisée par le commissaire provincial de police. La police est au courant de la situation. Ils opèrent en complicité avec la police. Par exemple, aujourd'hui, c'est le commissaire de police qui dirigeait cette opération. Ce qui nous révolte, c'est que nous sommes arrêtés par les civils, membres de l'association des motards. Tu dois être un Imbonerakure pour faire partie de ce groupe. C'est une obligation. Les motos appréhendées sont conduites directement par les jeunes Imbonerakure au commissariat de police. Une somme de plus de 100 000 francs burundais est exigée comme pot de vin pour récupérer chaque moto. Notre source à Gitega révèle également que les pièces des motos sont volées par des policiers en collaboration avec des mécaniciens de moto. Les motards de la ville de Gitega font savoir qu'il s'agit d'un vol organisé par la police en complicité avec les jeunes Imbonerakure.
Contacté à ce propos, Delochance Harerimana, commissaire provincial de police à Gitega, rejette toutes ces allégations. Puisque nous parlons de gouvernance, il y a suspicion de détournement au sein de l'association des motards à Nyanzalak. Nous sommes dans la province de Makamba. Les conducteurs de mototaxi pointent du doigt leur président. Les détails avec Clovis Nyonzima. L'argent d'épargne des motards de Nyanzalak, qui est détourné par un petit groupe parmi les leaders de l'association, est une somme de plus de 2 millions de francs burundais. Toute personne qui ose demander des explications est accusée de rébellion, comme l'affirme l'un de ces motards. Il y a une somme d'argent que chaque conducteur de taxi moto doit payer par semaine. Chaque motard doit payer 500 francs, lequel montant a été revu à 1000 francs. Cet argent collecté est une sorte d'épargne. Elle est estimée à plus de 2 millions et aurait été détournée par un groupe de 3 à 4 personnes. Après la fusion des associations Motabo et Motadec, plus de traces de cette épargne, précise ce motard. À part cela, chaque nouveau conducteur de taxi-moto qui adhère à l'association doit payer de l'argent. Il y a également des amendes que les motards paient quand ils commettent des erreurs. Ainsi, depuis la fusion de deux associations, à savoir les anciennes associations Motabo et Motadec, leurs affiliés ne savent pas ce qu'est devenu l'argent qui se trouvait dans les caisses. À propos de ces accusations, nous avons contacté le président de l'association des motards dans la commune Nyanzalake et nous a invité à son bureau pour nous donner des explications. Quant à Jean-Claude Nduimana, administrateur de la commune Nyanzalake, son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Gouvernance, c'est toujours les enseignants qui ont terminé une formation en rapport avec le réaménagement du nouveau programme scolaire ont reçu leur per diem depuis hier. Ils observent des zones d'ombre et toutefois qui inquiètent certains enseignants. Les détails avec Walter Kuizer. Depuis ce lundi matin, le per diem a été donné aux enseignants des classes de première année des écoles fondamentales pour avoir suivi une formation de recyclage. Mais la remise de ce per diem a été entachée des magouilles, comme l'indique cet enseignant de l'école primaire de la commune et province Kirundo. Oui, c'est vrai, on nous a donné l'argent pour les 5 jours. Ils nous doivent encore 9 jours. Les enseignants qui ont suivi cette formation sont au nombre de 132. Sur 350 000 qu'ils devraient avoir comme per diem, ces enseignants qui ont eu la chance de se retrouver sur la liste de paie n'ont eu que 125 000. Ce qui veut dire que sur 46 200 000 qui devraient être partagés par ces enseignants de la commune Kirundo, on ne leur a donné que 16 500 000. La situation est pareille dans les provinces de Muyinga, Changuzo, Kayanza, Ngozi, Ngaro, Karusi et Bujumbura. Au chef-lieu de la province Changuzo, le per diem de chaque enseignant a été retranché d'une certaine somme. On est arrivé au bureau de la COPEC Changuzo où nous y avons trouvé le comptable de la COPEC Changuzo et le directeur provincial de l'éducation. Ce dernier nous a obligé que chacun parmi ceux qui vont avoir le per diem doit donner la somme de 20 000 francs bourg. Comme nous n'avions pas d'autre choix, on l'a fait ainsi. Quant aux enseignants des provinces Cibitoke, Bubanza et Ayer, ils n'ont aucune information sur leur per diem. La formation de ces enseignants a duré 14 jours, c'est-à-dire du 25 août au 8 septembre, et le per diem était de 25 000 par enseignant. Le magazine Humura Burundi peut également être retrouvé sur notre site web, c'est le www.rpa.bi. Il peut également être retrouvé sur d'autres plateformes telles que YouTube, SoundCloud, Twitter. Tout de suite, nous parlons de la destitution du président du syndicat du personnel au sein de l'autorité de l'aviation civile. Humura Burundi.
L'attitude du directeur général de l'autorité de l'aviation civile de Bujumbura n'a rien d'étonnant dans un pays gangréné de détournement et corruption dans presque tous les domaines. Réaction de maître Vital Nshimirimana, ancien président du syndicat des magistrats Simabou, par rapport à l'immixtion dans l'organisation du syndicat STAC. Selon lui, les dirigeants veulent que tout reste top secret. Maître Vital Nshimirimana demande aux travailleurs de cette entreprise de continuer à défendre leurs droits. Je ne peux pas m'attarder à commenter le comportement du directeur général de l'autorité de l'aviation civile parce que cette autorité évolue dans un système caractérisé par des pratiques de corruption, et de détournement et de mauvaise gouvernance répétées et institutionnalisées. On pourrait dire que cette autorité ne saurait faire autrement dans un régime comme celui que nous connaissons aujourd'hui. Mais mon commentaire s'adresse particulièrement aux travailleurs syndiqués. Parce que partout au monde, les syndicats ont fait évoluer les sociétés, ont même occasionné des révolutions. Ce sont les syndicats qui, chaque fois, ont renversé les dictatures. Ce sont les syndicats qui ont défendu les droits et libertés des travailleurs. Et le Burundi ne peut pas faire exception. Et ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, les syndicalistes qui défendent leurs droits sont persécutés, non seulement par le régime en place, mais en complicité avec les travailleurs syndiqués et non syndiqués, alors que ces leaders syndicaux défendent les droits de tous les travailleurs, mais également défendent la pérennité et du service. Donc c'est un clin d'œil que je donne. Le syndicat du service de l'autorité de l'aviation civile est un des rares syndicats qui aujourd'hui avait résisté. Je crois qu'il est opportun que les travailleurs de l'autorité de l'aviation civile s'organisent pour défendre les droits, mais tout en défendant leurs collègues. Parce qu'ils ne sauraient défendre leurs droits en sacrifiant leur leader. Ce serait lamentable. Ils en ont la force, ils en ont les moyens et ils doivent se mettre à pied d'œuvre. Maître Vital Nshimirimana intervient après la destitution ce vendredi du président du syndicat STAC réunissant le personnel de l'autorité de l'aviation civile de Bujumbura. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi en nous envoyant un message sur notre WhatsApp. C'est le plus 49 151 294 16 348. Passons à la page santé. Sans transition, la mairie de Bujumbura s'est agrandie sans que des mesures d'assainissement suivent. Déclaration du maire de la ville de Bujumbura dans son discours d'ouverture de la première conférence nationale sur la santé. Les défis du secteur de la santé ont été débattus dans cette conférence qui a débuté hier. Trésor Nyongabo a plus de détails. Dans cette conférence, Freddy Mbonimpa, maire de la ville de Bujumbura, a déclaré que la poussée démographique a entraîné l'extension de la ville de Bujumbura, laquelle extension n'a pas obéi aux normes d'assainissement et d'urbanisation. La mairie de Bujumbura reste confrontée à des défis liés, notamment à son accroissement rapide qui, à certaines périodes, n'a pas tenu compte des normes urbanistiques. Selon Freddy Mbonimpa, le manque des mesures d'assainissement a des conséquences, surtout celles liées à la santé publique et l'environnement. Les conséquences pèsent lourdement sur la santé de ses habitants et à l'environnement. Certaines catégories vivent dans des conditions précaires, surtout dans les quartiers périphériques, qui ne sont pas desservis en eau potable, ont des difficultés d'accès aux soins de santé de qualité, sont sujets à des épidémies ou des catastrophes liées au changement climatique. À titre d'exemple, certaines zones sont confrontées à la persistance de l'épidémie de choléra. Le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida a été du même avis lors de cette conférence qui se déroule à l'hôtel Club du Lac Tanganyika sous le thème « Droit à la santé et bien-être à travers l'action multisectorielle et la santé dans toutes les politiques ». Et il est prévu que cette conférence nationale sur la santé dure 3 jours. Et nous nous excusons pour cet élément sonore qui n'était pas de très bonne qualité.
Pour clôturer cette édition, parlons de l'épidémie de choléra en mairie de Bujumbura. Il est regrettable de parler de cette épidémie et dans d'autres centres urbains à cause du manque d'eau potable. Réaction de Faustin Dikoumana, expert indépendant en matière de bonne gouvernance. Il fait savoir qu'il y a manque de programmes d'action prioritaires, tout en précisant que le Burundi dispose d'un grand nombre de sources en eau et qui ne sont pas exploitées. Suivez plutôt Faustin Dikoumana. On a toujours dit que le choléra c'est une maladie de mer sale. On ne devrait pas aujourd'hui parler de la maladie de mer sale dans des villes comme Bujumbura au XXIe siècle. C'est regrettable. Encore une fois, on parle d'une maladie de mer sale et suite à un manque d'eau potable, alors que le Burundi, parmi les ressources naturelles dont il dispose, il y a des ressources à non. Tous les acteurs actuellement de la GIV ont toujours dit que le Burundi a des ressources à non suffisantes. On ne comprend pas comment on va pouvoir exploiter ça. Normalement, qui sera que ça vous casse, il y a d'avoir du matériel suffisant, c'est à dire de pompage. Ici, dans les collines qui se font de Bujumbura, on devait avoir planifié pour que, justement, l'eau potable soit toujours disponible. Là, on a encore des planifications toujours antérieures. On a toujours parlé des programmes de lutte contre la pauvreté les années antérieures. Aujourd'hui, on est dans le plan national de développement. Dans le plan national de développement, on a ce qu'on appelle un programme d'action prioritaire. Le programme d'action prioritaire devrait contenir toutes ces actions parce que l'eau, c'est la vie. L'action de priorité, c'est la disponibilité de l'eau potable. Alors, si on parle globalement au niveau de la mairie de Bujumbura, on regrette même aussi la situation de la télévision de la mairie de Bujumbura, la collecte des déchets, même des ordures ménagers. Beaucoup de sociétés qui avaient gagné le marché pour ce travail ne fonctionnent plus. Moi, dans ma circonscription à la mairie de Bujumbura, les sociétés ne fonctionnent, ne font plus ce travail. Alors, comment est-ce qu'ils ont été sélectionnés? C'est la gouvernance. Alors, est-ce qu'il y a des critères objectifs? C'est la passation des marchés? Aussi à la vie des extérieurs, ils ont un plan d'action aussi du niveau sur 5 à sur 10, tenant compte de toute la planification de l'urbanisme. Est-ce que les gens disposent des moyens? Est-ce que la gestion à la régie des eaux est assainie? Pas intéressant, on parlait même des stocks qui ont été achetés, mais des stocks qui sont tombés en annulation. On se demande est-ce que cette gouvernance vraiment est suivie? J'imagine qu'au-delà de la planification, de la vérification, à partir de ces programmes d'action prioritaires qui doivent aussi montrer au niveau budgétaire, surtout le budget citoyen, montrer aux citoyens les priorités, le budget nécessaire, le suivi en cadre global, national de suivi à partir d'un parlement fort qui fait ce travail de la responsabilité au gouvernement. Tout cela doit être en circuit pour pouvoir faire arriver aux résultats concrets par rapport à cette situation. Voilà, c'était l'expert indépendant Faustin Dikoumana qui faisait son analyse par rapport au manque d'eau potable à Bujumbura et dans d'autres centres urbains du Burundi. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi du 17 septembre 2019. Merci à Lucie Kabera et à ingénieur Egide Mwemero pour leur collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Emile Nibasumba, j'étais à la présentation de ce magazine. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité. Okay.